Je me présente, Fabien Tremblay, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous poursuivons cette série de vidéos sur le logiciel MaximDL avec cette quatrième partie. Ce logiciel destiné à aider tout astrophotographe à immortaliser ce vaste univers vous rendra la tâche plus simple. Je vous apprendrai les bases de ce logiciel et plus encore. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu et partagez, s'il vous plaît. Maintenant, êtes-vous prêt pour découvrir mon univers? Allons-y! Voilà, nous en sommes rendus à la partie 4 de cette série de vidéos sur MaximDL. Ce soir, on va aborder l'automatisation du plate de sol pour centrer vos objets. On va aussi parler de la création de votre faux indicateur. Vous allez voir ça. On va aussi parler comment parquer votre monture et mettre vos caméras en refroidissement à warm automatiquement. Et on va finir avec la sauvegarde de vos paramètres, c'est-à-dire vos settings et votre autosave, car MaximDL arrive quelquefois que lorsque vous l'ouvrez, tout ça a disparu. Alors, c'est bien de faire des sauvegardes et je vais vous montrer ça. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais avant de commencer, on va démarrer tous nos accessoires sur ma monture, c'est-à-dire que je vais connecter la monture et les caméras. Alors, je vais connecter les caméras. Je vais connecter. Et vu que j'ai un refroidissement, je vais démarrer le refroidissement qui est à moins 25 ce soir. Une fois que les caméras sont connectées, je connecte ma monture. Je vais donc dans Setup ici, comme apprise dans les parties 1 ou 2, je crois. Et je connecte ma monture. Et voilà, ma monture est connectée. Elle ne tracte pas. Elle va se mettre à tracker lorsque je vais la lancer sur une première cible. Alors, notre cible, ce soir, je ne ferai pas le focus. Parce que je sais que le focus, il est correct. Là, je n'y ai pas retouché. Je n'ai pas changé de setup, alors il devrait être correct. Je vérifierai à la première pause de notre déplacement. Comme on fonctionnait selon ce que je vous ai montré dans les vidéos précédentes, nous allions dans le catalogue et nous choisissions notre cible, notre objet. Je vais prendre encore M31 pour rester dans la familiarité. Alors je cherche, je trouve, je le mets en surveillance. Des fois, quand il y en a plus qu'un, et le vôtre risque de ne pas être en surveillance. Alors assurez-vous de bien sélectionner en bleu la cible et vous faites go to. Là, il me demande pour la première fois, vu qu'elle ne tracte pas, si je veux qu'elle se mette à tracker, si je veux le mettre à 1, alors je dis oui. Alors ma monture devrait se déplacer sur M31. Effectivement, elle se déplace. Je vais aller dans mon zoom, activer mon suivi. Alors, il se déplace. Sur ma cible. Alors, là, nous devions prendre une photo. On va prendre une photo de 5 secondes. Pour voir si nous sommes bien synchronisés, si la monture est bien synchronisée avec le ciel. Alors, bon, est-ce qu'on voit M31? On ne la voit pas. Mais j'ai fait une erreur. Je vais devoir recommencer. Mais je ne sais pas, non, je pense que je vais le garder. La vidéo est courte. Mon erreur, c'est que je ne suis pas allé dans le site optique vérifier si tout était correct. Et si on, comme on peut voir ici, ma monture est à 2011. Alors, je dois cliquer. Ça, c'est quand vous n'avez pas de GPS. Et m'assurer que la monture est bien à la même date
que mon computer, c'est-à-dire l'heure exacte présentement, pour qu'elle ait le même ciel que moi, parce qu'en 2011, le ciel ne devait pas être identique à 2019. Alors maintenant que ma monture est bel et bien connectée avec l'abonnage, je retourne voir où ce qu'elle est. Et on voit qu'elle n'a pas été sur M31. Alors je vais la reparquer. Bon, j'ai appuyé sur pause pour sauver. Alors ma monture est reparquée de nouveau. Je vais aller la déparquer. Et voilà. Et maintenant, je vais lui dire d'aller sur M31. Go to. D'activer le tracking que je viens de faire. Alors, ma monture se déplace sur M31. Alors, vous voyez que l'importance de bien vérifier si toutes vos données sont correctes, la focale, votre heure du site, votre heure et le site. Bon, là, on poursuit sur ce que je vous ai montré, la façon que je vous ai montré dans la partie 2 et 3. Alors, on déplaçait notre cible, on prenait une image. On voit que mon focus est bon. Ici, là, ça aide, ça dit si le focus est bon. Plus c'est pointu, mieux c'est. Alors, on voit que M31 est dans le champ. Alors, on allait sur télescope. On faisait un play de sol là-dessus à partir de analyse, pinpoint, astrométrie. Et on processe. Ou on procède. Il l'a trouvé. J'ai bien la focale de 350. Je ferme. Et je vais dans l'onglet télescope faire un sync avec le plate solve qu'il vient de faire. Alors, j'ai fait un sync. Et voilà où est-ce que ma monture est présentement. Je peux afficher l'image. Et ça donne à peu près ce que ça donne là. Alors, je dois être synchronisé maintenant. Alors, je retourne sur M31 à partir du catalogue. Et je fais go to. Je retourne ici. J'attends que la monture soit stoppée et je prends une photo de 5 secondes et notre objet devrait être au centre. N'est-ce pas magique? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, attendez un petit peu, à automatiser tout ça. Alors je vais parquer à nouveau la monture. Et je vais appuyer sur pause pour vous éviter ce délai. Là, la monture est parquée. Et je vais redéparquer la monture pour la remettre en tracking. Voilà. Et ici, dans télescope, je vous montre comment automatiser tout ça. Dans l'onglet télescope, vous avez Expose After Slew juste ici en bas dans l'auto-exposure. Vous allez cocher cette case et vous allez appuyer sur le Setup Exposure, auto-exposure. Et là, vous allez dire d'attendre 2 secondes après le déplacement. Moi, j'ai dit 2, vous pouvez le laisser à 0. Là. Moi, j'y donne 2 secondes là, pour m'assurer que l'image n'ira pas de traînée d'étoiles. Je prends une exposition de 7 secondes et je le fais en bénin 1 sous le filtre luminance. Je ne coche pas la case autodark et je fais OK. Ici, dans la flèche, vous avez un menu et vous allez sélectionner Refine via Sync. Alors, il faut qu'elle soit cochée. Là, c'est coché. Après avoir cliqué sur Refine via Sync, vous allez aller dans Refinement Exposure et vous allez rentrer le délai de 2 secondes encore, l'Exposure Time 7 secondes, en bénin 1, on enlève l'autodark et vous faites OK. Là, c'est fait. Tout est correct. Alors, on va aller sur M31. Je fais un go to et regardez bien ce que la monture. Malgré que là, elle est déjà bien centrée, ça devrait pas trop, mais elle va le faire pareil. J'aurais fallu choisir une autre cible. On va regarder ce que ça donne avec M31 parce que j'avais fait un signe précédemment, là, tantôt.
Alors, elle s'en va sur M31. Et vous allez voir ici, il va écrire, il s'est marqué Moving Scope. Il va marquer Setting Delay, je crois. Et voilà, Setting Delay. Le délai de 2 secondes que j'ai donné. Et vous pouvez voir qu'il a commencé sa capture. Il a 7 secondes. Il a fait un dark avant, mais bon. J'irai décocher ça, là. Et voilà, il fait sa capture de 7 secondes. Il est pas mal centré, mais il va faire un play de solve. Qui va le faire automatique. Là, par contre, vous ne pouvez pas arrêter la mauvaise focale. Alors, il faut vous assurer d'avoir un bon focus avant de commencer à faire des autos play de solve. Alors là, il a fini. Il s'est replacé, il s'est centré, il va me reprendre. Et là, il est centré, je serai prêt à partir le guidage et d'aller faire ma session d'autosave. Alors, je vais la refaire sur un autre site pour qu'on le voit bien. Je pourrais peut-être le faire l'autre côté, comme ça, on serait assuré qu'elle ne soit pas centrée. Alors, je vais peser sur pause et je vais l'envoyer sur M13. Slew to M13. Je le déplace à partir du menu dans mon planétarium, le zoom, le All Sky, dans l'onglet All Sky, et je l'ai déplacé sur M13. Alors, je vous évite le déplacement. Je reviendrai lorsqu'il s'approchera de M13. Voilà, il arrive près de M13. On va aller dans notre onglet zoom. On peut voir M13 qui est ici. Alors, il va prendre une photo. Il va attendre son délai de 2 secondes. Il prend une photo, comme vous pouvez voir, de 7 secondes, avec un dark, là. Ça fait qu'il fait un dark avant, non, ok, voilà, M13 n'est pas au centre, vous pouvez le voir être ici, il fait son play de solve automatiquement, là il va faire un signe, il se centre par rapport à l'image, vous le voyez ici, et maintenant il se déplace à nouveau vers M13 automatiquement. Il reprend sa photo pour l'exposing après le délai, après le slew. Et voilà, M13 est au centre. Ça semble simple, mais c'est un peu plus compliqué lorsque vous augmentez la focale. À partir de 2000, ça devient un petit peu plus difficile. Il faut s'assurer que votre focus va être parfait avant de faire des auto plate solve de cette façon. C'est des centrages automatiques. Pour vous assurer de ne pas perdre le signe. Dans le pire des cas, vous perdez le signe avec le ciel, vous vous désynchronisez. Il faudra aller aux côtés de votre monture et la remettre en position zéro. Et de recommencer. Alors, assurez-vous. Moi, je le fais. Là. C'est très rare que j'ai besoin d'aller retourner faire une position zéro. Quand vous faites vos focus comme il faut, que tout va bien, tout va bien. Alors, voilà ce qu'il y en a pour l'automatisation du play solve. Bon, voici, nous sommes à la création du faux indicateur. Qu'est-ce que le faux indicateur? C'est ici, ça va être la taille de votre capteur qui va vous aider à mieux... comment je pourrais dire, à mieux savoir quel champ que vous avez dans votre... sans la photo. Je vais vous le montrer, on va le créer. Vous cliquez, clic de droite dans la fenêtre de votre zoom et vous allez sur faux indicateur et vous faites choisir. Ici, dans cette fenêtre, vous allez créer votre faux indicateur. Vous allez cliquer sur New. Et dans la fenêtre qui ouvre, vous allez cocher ici, vous allez cliquer ici sur Read Hardware, c'est-à-dire qu'il va aller chercher l'information que vous avez entrée dans vos setups de télescope. Et il sait que c'est un 350 mm et vous le nommez par, moi c'est mon Mead, alors je vais écrire Mead 70 mm et j'enregistre. À droite, vous avez ici, si vous utilisez un ONAG, c'est-à-dire attendez un peu, en même temps, vous allez pouvoir voir comment on utilise le fichier HELP. Je vais devoir tout canceller ça. Je vais cliquer sur HELP Topic. Je vais écrire ici dans l'onglet Rechercher Fauve Indicator. Et dans cette partie ici,
je retrouve l'information pour me dire exactement qu'est-ce que c'est et tous les infos. Ça, c'est au niveau d'avec le ONAG. Vous allez avoir une autre petite fenêtre qui va vous dire si vous avez des étoiles dans le champ de votre caméra guide. Ça, c'est dans le dossier Help. Alors, on crée le faux indicateur que j'ai créé. Non, je le recrée. New, je lui dis de lire les infos. Je l'appelle Mead 70 mm. Et ici, si j'avais un ONAG, je cliquerai, je cocherai ce chaos-là, puis je rentrerai les infos nécessaires. Alors, je clique sur OK et je sélectionne mon Mead 70 que je viens de créer. Si vous pouvez voir à droite, dans ma fenêtre de Zoom, j'ai un carré qui est la taille de mon capteur. Alors, quand je déplace sur mes cibles, je vois de quoi ça va ressembler sur ma photo. Chez le champ que j'ai. Si je fais un play de self sur cette image, vous allez voir que c'est la même taille que mon image. Et voilà. Vous pouvez voir. Puis là, si c'est pas bien ajusté, à partir du cercle, vous le cliquez dessus, touche de gauche, vous la maintenez enfoncée, et là, vous pouvez tourner pour le mettre dans le même sens que votre capteur. Alors, moi, il va comme ça. Un petit peu plus de main. Et voilà. C'est ça, le faux indicateur. C'est pas plus compliqué que ça. Ça vous aide à centrer vos cibles quand vous allez. Si je vais sur deux cibles, comme je voudrais avoir cette étoile-là et cette étoile et le amas de M13, là, je déplacerai en maintenant foncé ma touche de gauche. Dans l'écran, n'importe où, je peux déplacer le fond de mon ciel. Et là, je placerai mon objet à peu près en disant je vais avoir ces deux objets-là. Et là, je clique à la bug en m'assurant que là, je devrais être au centre. Et je lui dis de se déplacer sur la position de ma souris que je viens de lui donner. Alors, je vérifie. Et comme vous pouvez voir, il se place, j'ai mes deux cibles. Je suis bien placé et là, je pourrais partir mon guidage et ma séquence de photos. C'est facile de voir ainsi ce qu'il y a dans le champ de votre capteur. Alors, voilà. Là, je me suis déplacé façon autoplay itself. Tout est automatique. Alors, il s'assure, là, si je ne serais pas correct, je me déplacerai un petit peu. Mais ça aide quand il y a deux objets, quand vous êtes en grand champ. Vous pouvez capturer deux objets en même temps en déplaçant votre monture ainsi. Alors, vous avez plus de chances de placer l'objet exactement ce que vous voulez dans votre image. Voilà ce qui est pour le faux indicateur. Voilà, nous passons maintenant à la troisième section de la partie 4. Apprendre à parquer la monture automatiquement et mettre la température de son capteur du capteur de votre caméra à la température ambiante graduellement. Alors, pour ça, vous allez dans votre fenêtre observatoire. Dans l'onglet Setup. Et ici en bas, vous avez Auto Shutdown. Vous allez cliquer dans le bouton radio pour cocher la case. Et attention, n'appuyez jamais sur Shutdown car il va effectuer les options qu'on va ajouter ici. Dans cette fenêtre, en cliquant sur Options, vous avez plusieurs commandes. Ça, c'est le Shutdown. Puis là, ça, c'est ce que vous, quand vous voulez, le trigger, si vous voulez que ça arrive à l'heure nautique, astronomique, ou ça peut marcher aussi avec votre station météo, le lever du soleil, l'heure civile, vous sélectionnez ce que vous voulez et vous avez plusieurs choix. Je ne sais pas si on peut en ajouter, mais bon, c'est une des commandes. Alors, moi, je choisis la séquence, lorsque ma séquence, attendez un peu, vu qu'il est pas qui est de ce côté-ci et puis de l'autre bord. Faudrait que je le ramène ici. Voilà. Séquence, fin de séquence. Alors, je le sélectionne. Je le mets dans la fenêtre Active Trigger. Et ce que je veux qu'il fasse, lorsqu'il va avoir fini de prendre ma nuit de capture, qu'il n'y aura plus de photos, c'est fini. Et que moi, je fais dodo. Alors, lorsqu'il va finir la séquence, je lui dis de
parquer le télescope et de mettre la caméra à la température ambiante graduellement. Warm-up camera cooler et parque le télescope. Je pourrais lui donner parquer le dôme, le Wait for Telescope E2, il faudra aller vérifier dans le fichier help c'est quoi exactement. Moi, ce que j'utilise, c'est de parquer le télescope et de mettre, de refroidir le capteur à la température ambiante graduellement. Voilà comment on fait pour parquer automatiquement sa monture avec Auto Shutdown option. Maintenant, je vais vous montrer sans quand même appuyer sur pause. Alors moi, c'est quand la séquence sera finie. Il va se parquer, il va mettre le capteur à la température ambiante de façon graduelle. Alors, je retourne dans mon zoom. J'ai remis ma monture sur M31 et je vais aller dans mon autosave faire une série de photos juste en luminance pour vous montrer de 10 secondes. Et je vais faire 5 images. Alors, quand il va... Moi, là, je vais juste aller créer un dossier. Où est-ce que je vais mettre ça sur le bureau, là? Je vais pas... Ça va être pour la poubelle. Alors, je fais un dossier test autopark. Et voilà. Je clique là-dessus. Je dis OK. J'applique. Et ma cible se nomme bien M31. J'ai mon fichier L dans le suffixe. Des 10 secondes et je veux qu'il prenne 5 images. Alors j'applique, je fais OK et je vais démarrer la séquence. Start. Hop, j'ai pas fait de guidage. Attendez un petit peu, je vais juste partir le guidage. Malgré que c'est des 10 secondes, il devrait pas avoir de traînée, mais bon, pour les besoins de la cause. On part le guidage. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas à sélectionner d'étoiles. Maxime DL va le faire automatique. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Et voilà, c'est parti. Je pars ma séquence. Start. Et j'appuie sur pause et je reviens avant la dernière image pour que vous puissiez voir les commandes qu'il va exécuter. En fin de compte, je vais la repartir parce qu'il y avait d'autres images à ajouter et je vais le laisser. Ça va durer qu'une minute. Alors, on démarre l'autosave. Je vais grossir ça un peu pour que vous voyez le déplacement. Et j'irai dans la fenêtre Alaska. Alors, il va prendre ses 5 images de 10 secondes, c'est-à-dire dans 50 secondes, il va avoir terminé. Mais comme je vous dis aussi, cette commande-là, il y a des petits ratés. Si vous exécutez comme on va faire là, et que pour lancer votre monture ailleurs, vous avez des chances qu'il ne la reprenne pas en considération à la fin d'une deuxième séquence. Il faut fermer Maxime DL, tout déconnecter, fermer Maxime DL, réouvrir Maxime DL et relancer. Essayez-le, vous verrez. Moi, en tout cas, c'est ça que ça fait à chaque fois que je l'essaye. Alors maintenant, j'arrête, je déconnecte et je relance Maxime DL. Alors, on en est à la 4e image. Il prend sa 5e. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait des darks avant. Il aurait fallu que j'aille enlever les darks ici. J'irai voir ça après. Il fait sa 5e image. C'est parti. Et regardez bien ce qui va se produire. Alors moi, je fais de dos. J'ai pas à me casser la tête si la monture va s'accrocher après mes choses. Comme vous pouvez voir, il dit qu'il parque la monture. Alors la monture se déplace. Si on va dans le All Sky, vous allez voir qu'elle est partie de M31, elle se déplace. Et si on va voir les caméras, on peut voir que la caméra n'est plus à On, mais à Warm. Alors elle va reprendre, ça fait comme ça, mon refroidisseur le matin quand le soleil se lève, il n'est pas obligé de refroidir à 100% pour maintenir le moins 25. Ce qui peut risquer d'endommager votre caméra, alors c'est bien pratique. Pour pas que votre capteur chauffe et que vous faisiez rouler le refroidissement au maximum. Alors, vous voyez, c'est ça qui en est pour la 3e section de cette partie 4. Maintenant, on va parler de la 4e section de
de la partie 4, qui est la sauvegarde de vos paramètres de setting et auto-save. Vous pouvez sûrement aussi enregistrer tout ce que vous faites dans chaque fenêtre. Alors, je vais vous montrer ces deux-là. Pourquoi? Parce que ça arrive que si vous plantez avec MaximDL, vous le réouvrez et tout disparaît. Mis à part vos informations de setting ici, ça reste là, ça ne change pas. Mais par contre, celle de vos settings ici, là, les caméras, si vous voulez être sûr de rien perdre, vous allez dans Settings. Non, configuration, désolé. Appuyez encore sur Settings. Configuration. Et vous allez sauvegarder ici le nom. Comme là, moi, j'utilise le MID 70. Je vais mettre MID 70 mm. Je sais que c'est mm avec la caméra STF. Et je fais Save As. Alors, il est sauvé. Je fais Close. Et comme ça, si je veux reprendre ce setup et j'ai d'autres setups que je change, je mets un autre focal, une autre caméra, un autre. Je change des informations ici. Alors, je réenregistre sous un autre nom. Et ainsi, après ça, par la suite, vous pourrez ouvrir les setups que vous aurez besoin. Alors voilà, c'est reconnecté. Mes caméras connectées. Et je suis ouvert avec les setups que j'ai enregistrés. Vous les loader de cette manière. Alors voilà, je devrais être parqué. C'est ça. Là, je ne sais pas si M45 est là. Je vais aller sur M31. Encore une fois. Je vais donc me déplacer sur M31. Et maintenant, je vais vous montrer comment sauvegarder vos autosaves. Vous allez dans Expose, vous ouvrez la fenêtre d'autosave en cliquant sur Autosave. Et maintenant, vous créez votre séquence de LRGB en 600 secondes, en bénignant 5222. Vous pouvez mettre 555 là, ou même 00 parce que vous allez l'enregistrer. 5-5 et que selon les soirs que vous allez faire, les chiffres vont changer pour le nombre d'images que vous allez prendre. Donc, vous pouvez le laisser à 0 et maintenant vous l'enregistrez. Vous allez dans Options, Save Second As. Vous créez un fichier dans votre ordinateur, Astronomy Data. Je vais l'appeler MaximDL Setting. Et je vais enregistrer la séquence en LRGB et 600 secondes à moins, j'ai pas mis le cola, mais le cola va être moins 25, à moins 25 Celsius. J'enregistre. Et voilà, tout est enregistré. Et je peux créer après ça une autre séquence dans la même section ici, ou faire des 300 secondes, ce qui va faire que je ne changerai pas là, tout le setup. Je vais juste mettre des 300 secondes pour changer. 300 secondes, 300 secondes, 300 secondes. J'enregistre en option séquence AS. Et là, j'écris, c'est plus des 600, mais des 300. J'enregistre. Et si je veux les 600, je clique sur option. Je load la séquence et je prends les 600 secondes. Et vous allez voir, tous les chiffres sont rentrés. Vous aurez pu le faire. C'est des choses qui se répètent fréquemment. Alors, c'est très utile de le faire une fois, de l'enregistrer par la suite, télécharger loader la séquence que vous allez avoir besoin. Tout va être écrit, moins 25. Et voilà, c'est ce qui m'est fait à cette quatrième partie de cette série de vidéos sur MaximDL. Je vous reviens bientôt avec la partie 5. N'oubliez pas, si vous aimez, partagez et cliquez sur le pouce bleu. Merci et bon ciel!
Afin de ne rien manquer, abonne-toi et clique sur la cloche.